Pas moins de 25 anciens ministres seront jugés au cours de cette année dans le cadre de différentes affaires où ils ont été inculpés. A cette liste s'ajoute celle de 5 exwali et de plusieurs personnalités ayant occupé de hautes fonctions dans des institutions de l'État. Les dossiers des concernés se trouvent au niveau du nouveau pôle spécialisé mis en place au tribunal de Sidi Mamed au mois d'août dernier. Certaines de ces affaires sont totalement inconnues de l'opinion, d'autres noms d'hommes d'affaires font, en effet, leur apparition, à l'image de Kerbouche, investisseur dans l'ouest du pays. à et Poursuivi pour obtention d'indus avantages. Spécialisé dans l'agro-industrie, le groupe Carbouche est mis en cause dans un projet de réalisation d'une unité de montage de tracteurs agricoles de marque de Tsfar. Il y a aussi l'affaire des frères Shulgoum, poursuivi dans le dossier aménite qui a entraîné l'inculpation d'Abdelmalek Sehal, Nessie Bossine, Korfa Youssef et Atab Mohamed, respectivement anciens ministres des Ressources en Eau, de l'Habitat et de la Jeunesse et des Sports. Il en est de même de l'ex-Wali de Blida, Oushane Mohamed, et Adjri Darfouf, ex-Wali de Mascara. S'ajoute ensuite le dossier de l'homme d'affaires Mitidji, placé, lui et son fils, sous mandat de dépôt en février 2020. Sept anciens ministres et deux anciens walis ont été, là également, inculpés et seront jugés, entre autres, pour octroi d'indus avantages. Il s'agit d'Abdelmalek Sehal, Boudjema Atale, ex-ministre des Transports. Nouri Abdelouab, Abdelganiz al Nekadi, Abdelkadeh également ancien Wali et ancien ministre des Travaux publics, Boisgui Abdelkadeh, ex-ministre de l'Agriculture, Majbada, ex-ministre de l'Industrie, et Mustafa Rayel, ex-ministre des Travaux publics et ex-directeur du cabinet du Premier ministre. À cette liste s'ajoute le nom de l'ancien Wali d'Alger Abdelkadeh Zouk. Quatre autres anciens Wali comparaîtront dans différentes affaires. Il s'agit de Moussa Ghele, Kadi Abdelkader et Eleyadi Mostafa. Ils ont occupé respectivement les fonctions de Wali de Tipaza et de Boumerdès. L'affaire Amor ben Amor est, elle aussi, prévue pour l'année. Elle figure d'ailleurs parmi les dossiers les plus avancés, indiquent des sources bien au fait de la situation. L'homme d'affaires spécialisé dans l'agroalimentaire sera jugé avec Ahmed Ouyaya, Abdelmalek et Ben Benaïssa, ancien ministre de l'Agriculture et du Développement local. À bain à clos la liste des hommes d'affaires inculpés et poursuivis pour corruption et obtention d'indus avantages, mais une autre série constituée de politiques est programmée. Tay l'ancien inspecteur général du ministère de la Justice, ainsi que l'ancien directeur chargé de la modernisation au sein de cette même institution seront jugés dans l'affaire du bracelet électronique, mais l'on retrouve aussi le nom de l'ex-garde des Sceaux auprès de celui de Saïd Bouteflika qui comparaîtront, eux, dans un autre procès lié au fonctionnement de la justice. Taïblou est également cité dans l'affaire Sonatrak 2 avec Shakib Khalil. Sont également programmées les affaires Melzi, ancien directeur général de la zone touristique Club des Pins et Moretti, Khalida Toumi, ancienne ministre de la Culture qui y est, elle, poursuivie pour mauvaise gestion, Ouda Feraoun et Jamila Tamazir. Temar Abdelouaed et Temar Abdelhamid, respectivement ex-ministre de l'Habitat et de l'Urbanisme et ex-ministre de la Participation et Promotion de l'Investissement, font également partie des anciens membres des exécutifs précédents appelés à être jugés. Abdelhamid Temar est considéré comme étant le principal inculpé dans le dossier Batijek. À ses noms s'ajoute celui de Solim Saadi, ancien ministre de l'Intérieur et des Ressources en Eau, poursuivi dans l'affaire BRC. Il s'agit de l'un des grands dossiers dans lesquels se trouve inculpé Chakib que l'Illégalement cité dans l'affaire SNC Lavalin et I. Plusieurs anciens ministres ont été inculpés avec l'ancien ministre de l'ANRJ. Mohamed Bedjaoui, ex-ministre des Affaires étrangères et ex-président du Conseil constitutionnel, Amar Ghoul, ex-ministre des Transports, et Boutehranourodine, ancien ministre de PDG de Sonatrach. Sur les 25 anciens ministres poursuivis, trois d'entre eux seront jugés par contumance, Shakib Khalil, Abdeslam Bouchouareb et Mohamed Bedjaoui considérés comme étant en état de fuite à l'étranger.